La Gaspésie, la pittoresque péninsule de la province de Québec. La Gaspésie, cette lèvre inférieure de la bouche du Saint-Laurent, ainsi qu'on a si bien décrit son aspect géographique, est la terre de la virilité, de la fantastique beauté et de la rude poésie, comme écrit Blanche la Montagne. La Gaspésie est un de ces endroits de la terre si beaux, pour parler comme Flaubert, qu'on a envie de les serrer contre son cœur. Pour nous, elle est ce coin merveilleux de notre patrie canadienne où nous allons nous promener en dilettante, ou peut-être en touriste, pressés de capter le plus possible, au passage, un peu de tout ce qu'elle a de particulièrement intéressant et d'inlassablement attrayant. Dès le Cap-Chat, le voyageur ouvre un œil émerveillé. Ce profil de pierre ne vous dit-il rien? L'énorme félin se laisse facilement apprivoiser. Une de ces lumières géantes de la côte qui, à travers la cornée de leur prisme de verre, clignent sans cesse de l'œil aux petites vigies perdues dans les immensités du golfe. Les enfants du gardien, le regard perçant, le pied marin, paraît-il. L'industrie du bois y est prospère. Le pont de la rivière Cap-Chat. Vers 1934, Mgr Octave Caron, curé de Cap-Chat, ouvrait aux confins de sa paroisse Saint-Octave de l'Avenir, où 135 familles se sont déjà établies. Comme dans tous les pays neufs, apparaissent d'abord les camps de colons. La vie rustique n'y est pas sans charme. Il s'y passe des scènes plus aimables encore qu'une description de Virgile. On n'est plus autant des poêles à deux ponts tout de même. L'hirondelle qui fait son nid a moins d'ingéniosité que le colon qui construit son toit. Preuve que la colonisation est prospère à Saint-Octave de l'Avenir, voyez les belles maisonnettes qui ne tardent pas à remplacer les camps de la période héroïque des débuts. Le ministère de la colonisation du gouvernement provincial ne leur ménage pas d'ailleurs les subventions de toutes sortes. Évidemment, ces octrois facilitent singulièrement la tâche du colon laborieux. À un âge aussi tendre, peut-on montrer de si belles dispositions? Un
certes une vraie maman ne saurait être plus habile ni plus attentive. Presbytère et l'église. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps pour ne pas arriver en retard à la messe. Le blond connaît les proverbes par cœur. Chez nous, on amarre encore le cheval après une souche. Pas besoin d'être cathédrale d'Europe pour avoir des arcs-boutants. On en est aux fondations de la nouvelle église qui sera plus spacieuse et plus fière de son clocher. Mais la messe y sera-t-elle plus pieuse, plus dévote que dans l'ancienne chapelle? La Vierge n'y sera pas plus clémente, assurément. Voici le vrai visage de la paroisse. Ici, comme ailleurs au Canada, le croissez et multipliez-vous conserve la force du précepte divin, dit encore Antoine Bernard. Remarquez que les filles sont aussi coquettement vêtues que les élégantes de nos faubourgs. Évidemment, les hommes sont en équipolant. Voilà bien la petite maman de tantôt. Elle a dû prolonger sa prière. Je crois bien qu'on va en faire une petite religieuse. L'école. Bien que nous soyons en vacances, elle n'est pas vide pourtant. Un maître ornemaniste, professeur à Saint-Alexandre d'Ironside, grand ami de la cure, y passe ses loisirs à sculpter dans le bois pour l'église neuve. Voici quelques spécimens de son habileté remarquable. Car le flambeau céleste vous éclaire, artiste, que ce soit Raphaël ou Mozart, qu'il se nomme Rubens ou qu'il se nomme Homère, le même souffle court au fond de tous les arts. L'abbé Auguste Rivard, premier curé. Ça, c'est le magasin général. On y trouve de tout, en effet. Des bananes au Coca-Cola, des attelages au Series Services, sans prétention, des bijoux aux bibelots les plus divers. Coloniser en pleine forêt, c'est d'abord créer des routes. Pour n'avoir pas encore été complètement essouché, ce champ de mille n'en est pas moins beau. Une des spécialités de cette scierie est la préparation du bois de fuseau, de manche à balai, etc., avec le bouleau réputé de la Gaspésie. Le bois de pulpe est ici une bonne source de revenus pour le colon. Mmh.
Il est inutile de vous dire que nous sommes en face des monts Chic-Choc ou Notre-Dame, dont les flancs forment les deux versants de la Gaspésie et qui, par leur masse imposante, donnent à cette dernière la forme d'une pyramide elliptique. Pour continuer notre voyage, revenons à Cap-Chat. En route vers Saint-Anne-des-Monts, saluons deux gentils copains, Pitro et Margot. Vous aimez les ours? Eh bien, vous allez en avoir pour votre chocolat. Encore du chocolat? Moi aussi, j'en veux ma part. Ce panorama de Sainte-Anne-des-Monts n'est pas le moins charmant que nous puissions voir sur la Terre. Notez en passant la masse noire de l'église récemment incendiée. Nous égrenons ensuite un chapelet de paroisse enfilé sur une route aux méandres inouïs. Tantôt très élevé sur des pics, tantôt au niveau du fleuve, la voie publique prend capricieusement toutes les directions et se redresse comme le serpent que pour nous faire de nouvelles menaces au prochain tournant. Le vertigineux ruisseau Sorel. Respectable patriarche de la Gaspésie, ce Mont-Saint-Pierre. La sinueuse pellicule du chemin repose de temps en temps les yeux de l'automobiliste en projetant sur son pare-brise d'admirables horizons marins. Le vent bourrasse le flot noir, la barque attardée a l'air d'une mouette blanche, rasant la mer,
indifférente aux insultes que lui crache la crête orgueilleuse des vagues. Quand les oiseaux de mer se reposent au rivage, ses filets ou ses charges nous indiquent que le comté de Gaspé, malgré les progrès remarquables qu'y a fait l'agriculture, reste comme en premier le royaume du poisson, affirme le frère Bernard. Mont-Louis fut fondé en 1875 et ainsi nommé en l'honneur de Louis XIV. Son panorama est l'un des plus typiques de la côte gaspésienne. Ce village possède une puissante scierie. Le long d'alleau qui descend sur la jetée vers le fleuve sert au chargement de la pitoune, autrement dit le bois de pulpe. Le lendemain, nous surprenons une scène agreste comme on en voit plus souvent chez nous, hélas. N'est-ce pas que Blanche la Montagne avait raison d'écrire en parlant de son aïeul? Comme la femme dont nous parle l'Évangile, elle semait le lin, élevait la brebis, fauchait les épis mûrs, reprisait les habits et le rouet tournait sous sa main très agile. Et des enfants nombreux jouaient à ses côtés, robustesse de fils, grâce blonde de fille. Elle était, jeune femme et mère de famille, comme une vigne rose où croissaient les étés. Quel filet! Son front s'auréolait de jour, et son visage avait des rayons tout autour, comme ces fronts de saints dans un vitrail antique. Ah, ces enfants, mauvaise tête, mais bon cœur. L'anse pleureuse fut ainsi appelée par rapport à la légende populaire du braillard de la Madeleine. Le soir, racontent les anciens, des gémissements venaient de la forêt. On les entendait distinctement depuis la rivière Madeleine jusqu'à l'anse pleureuse. C'étaient les lugubres plaintes du braillard, âme en peine, implorant du secours. Un soir d'août 1814, M. Charles-François Pinchot, quittant la Gaspésie pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à bord de sa 3000 clous, fit escale à la rivière Madeleine pour laisser passer une tempête. Voyant l'effarement de ses compagnons, et sans se laisser impressionner par ses clameurs insolites, M. Pinchot résolut d'avoir le fin mot de l'énigme. Il prit sa hache et s'enfonça dans le bois. Deux grands arbres avaient poussé l'un sur l'autre en forme d'X. Lorsque le vent les agitait, ils crissaient et d'autant plus fort que la tempête se faisait plus rageuse. En bon missionnaire, M. Pinchot les abattit lui-même. « Vous n'entendrez plus le braillard, » dit-il à son équipage, « je lui ai réglé son compte. » Mais je ne vous conterai plus d'histoire parce que le chemin passe trop vite. Nous voici déjà à Grande-Vallée, je crois. Comme elle est belle, cette dentelure de la bouche du Saint-Laurent. Pouvez-vous distinguer là-bas les barques de pêche qui s'attardent? La plupart sont déjà de retour. On ancre les grosses barques à proximité du rivage, et l'on transporte la cargaison à terre par chaloupe plus facilement accostable.
à peine débarquée, on tranche la morue fraîche, puis on la fera sécher. Le soleil sombre derrière la chaîne lointaine des montagnes du Nord après avoir éteint lentement son brasier marin et sa boule de feu. Nous sommes rendus à la rivière Ornard, qui est l'un des plus gros postes de pêcherie de la côte. Les maisons des pêcheurs sont plutôt petites et sans coquetterie. Dans les environs, la morue sèche sur les vigneaux. Quel gouffre! La voracité de la morue est proverbiale. Elle mange non seulement le plancton et les mollusques, mais ses semblables plus petites et même ses œufs. La pêche est surtout ici une entreprise familiale. Au retour du pêcheur, sa femme et ses enfants lui aideront au tranchage. Les plus petits préfèrent s'amuser cependant. Ce n'est pas Ramina Grubi qui s'en plaindra. Mais la poule gloussante redoute sans cesse cet âge sans pitié et rappelle sa couvée. Ici, c'est l'entrepôt frigorifique du gouvernement provincial où l'on conserve la morue dans des congélateurs. À côté se trouve la neigière, large édifice où l'on entrepose la neige nécessaire aux expéditions. Le gouvernement construit une autre bâtisse pour l'utilisation des sous-produits tels que la farine de poisson et l'huile de foie de morue. Le panorama de l'Anse au Griffon grave encore dans notre mémoire la beauté particulière du littoral nord de la péninsule. Ce village se vante de posséder un des rares établissements où l'on manufacture l'huile de foie de morue dans la région de Gaspé. Cette petite fille est en train de nous montrer qu'elle sait préparer le four à pain. Heureuse Gaspésie qui possède encore beaucoup de ses fours. À
À se laisser aller, nous avons touché le cap des Rosiers, à la pointe extrême de la péninsule. Ce phare est l'un des plus puissants et des plus anciens du Golfe. Autrefois, quand la brume était trop dense, que sa lumière devenait pratiquement invisible, on tirait du canon à tous les quarts d'heure. Aujourd'hui, le vieux canon a pris rang dans l'histoire. Un coup de sirène 3 fois par minute est plus efficace. Montons. Ici, le prisme est immobile. Ce sont 3 espèces de douves métalliques qui tournent, obstruant ou laissant passer la lumière tour à tour, comme de véritables paupières. La curiosité des voyageurs est facile à comprendre du haut d'une semblable tour. Avant d'arriver à Gaspé, nous allons incursionner dans le bois du canton Fox, où nous rencontrons des ingénieurs civils occupés à faire leur travail de classification des lots pour le compte du ministère de la colonisation. Notre réveil matin ambulant fonctionne dès les 6 heures. Il va-t-il faire beau? Pour secouer le sommeil, rien de pareil qu'un bon bain de face. Hop! Premier appel pour le déjeuner. Puis l'équipe se disperse 2 par 2. On localise d'abord le lot qu'on doit marcher, puis l'on s'avance en comptant ses pas pour en trouver le centre. Après s'être orienté avec la boussole, on s'enfonce dans la brousse. Tout en marchant, il faut faire la topographie des lieux ou étude de la conformation du terrain. De temps en temps, on enfonce la sonde pour prélever un échantillon de terre et noter ses constatations. Cette besogne n'est ni facile ni douce à aller. Bien au contraire, quand on ne cale pas dans des fondrières et des trous d'eau, on doit s'ouvrir un passage à travers d'épais feuillages ou escalader des montagnes sans jamais dévier de la ligne droite. Aux endroits les plus caractéristiques, le chef d'équipe creuse une fosse pour l'étude du profil ou texture du sol. C'est
C'est un travail d'expertise assez minutieux, comme vous voyez. On mesure la hauteur des différents horizons en prenant toujours des notes. On prélève même des échantillons qu'on expédie à Québec dans des boîtes de fer blanc. Le laboratoire de la colonisation en poursuit l'analyse, tant physique que chimique, et avec toutes ces données, on décidera si le lot doit être octroyé ou non. C'est la meilleure manière de faire de la colonisation avec profit. Le village de Gaspé est l'un des plus anciens et des plus intéressants de toute la Gaspésie. Blotti au fond d'un vaste amphithéâtre naturel aux énormes gradins, il est d'une beauté sans égale. Sa baie est le paradis de tous les navigateurs, humains comme poissons. Le mot Gaspé, d'où l'on a tiré le nom de Gaspésie, vient du vocable indien Gaspeg, G-A-S-P-E-G, qui signifie « fin de la terre » ou « Finistère ». Champlain écrivait ce mot G-A-S-P-A-Y, qui se prononça comme de nos jours Gaspé. Le séminaire, maintenant sous la direction des clercs de Saint-Viateur. Le monastère des Ursulines. L'hôpital de Gaspé. Le soubassement de la future cathédrale. La croix de Gaspé, érigée le 24 juillet 1934 pour commémorer le 400e anniversaire de l'atterrissage de Jacques Cartier à l'endroit de ce port et en souvenir de la première croix que planta le grand navigateur pour prendre possession du pays au nom du roi de France. Ce n'est plus la croix ni les fleurs de lys du temps de Taïno Agni et de Doma Gaya. Celle-ci, taillée dans un bloc de granit canadien, mesure 30 pieds de haut sans le socle. Le blé qui fut alors importé de France. Tout en fleurs, il fait beau au pied de la croix. Le monument aux héros de la Grande Guerre. Une croisière américaine qui fait escale à Gaspé. Quand on est millionnaire, on peut se payer le luxe d'un voilier. Le voyageur intéressé ne manque pas de visiter la station de pisciculture du gouvernement provincial près de Gaspé. C'est ici qu'on élève des millions de saumons et de truites qu'on jettera ensuite dans les rivières et les lacs dépeuplés. On provoque le frais et l'on fait éclore les œufs presque sur commande.
Le simple contrôle de la température des piscines hâte ou retarde le développement des petits. Une eau limpide circule à travers cette série de réservoirs. Cette bâtisse pour l'élevage de la truite est de construction toute récente. La truite, d'habitude si craintive, s'apprivoise au point de venir happer sa nourriture des mains même du gardien. Et si vous n'avez rien à lui offrir, n'avancez pas le doigt. Il y a de quoi attendrir le plus mauvais pêcheur. Si le gros poisson vous tente, vous n'êtes pas à bout de votre supplice de tantale. L'étang au saumon, qui se branche sur la rivière York, contient derrière un barrage près de 400 beaux spécimens de l'aristocrate de nos eaux. Chaque printemps, le saumon remonte les rivières pour frayer. Il y entre très gras, mais il s'en retourne maigre à l'automne, car il ne mange pas de l'été. Aussi, quand vous le pêchez en rivière, ne soyez pas surpris s'il ne se montre pas très friand de l'appât. Quelle force tout de même, quelle rapidité! Il faut le voir au ralenti pour bien saisir la beauté, la vigueur de ses bonds. Allons donc faire un tour de pêche. Voir, c'est bien. Toucher, c'est mieux. La rivière York jouit d'une grosse réputation à ce point de vue et pour ces points de vue. Nous allons mettre le canot sur l'automobile pour monter la rivière. C'est moins forçant. Ah, nous y voilà. Le courant est très fort, mais soyez sans crainte, car les guides sont très habiles avec leur gaule. L'on descend ainsi au fil de l'eau jusqu'à ce que l'on se trouve en face d'un remous réputé. On ancre et le plaisir commence. Les deux guides, dans un silence d'indien, sont prêts à répondre au moindre signe. Ça mord!
quand le saumon est pris, il tire tellement quelquefois qu'il faut le suivre dans le courant si l'on ne veut pas qu'il casse la ligne. Le prendre en effet, c'est facile, le tenir dans le rapide, c'est autre chose. Comme dans le cas présent, il arrive souvent, hélas, que le poisson s'échappe. Courage, nous serons peut-être plus chanceux la prochaine fois. Remontons au même endroit et recommençons. Mais ça ne mord plus. Descendons plus bas, voir. Autrefois, il est plus avantageux de pêcher de la rive, ou comme on dit, à pied sec dans l'eau. Admirez l'élégance et l'adresse. Après avoir tiré comme un damné, à bout de force, le sujet est amené à résipiscence. Là, 25 livres de belle chair rose et fraîche. Il y a des fervents qui lancent la mouche jusque tard à la brunante. Quant à nous, rentrons. À chaque jour suffit sa joie, n'est-ce pas? Fatigués mais heureux, nous ne pêcherons plus ce soir, si ce n'est en rêve. Toutes ces rivières cristallines fourmillent de truites et de saumons. Ce matin, cherchons donc aventure sur la Dartmouth. Nous allons profiter de l'obligeance du sénateur Raymond, qui y a un joli camp et des droits de pêche. La Dartmouth, poissonneuse, limpide et d'un bon débit, se faufile entre des rochers escarpés d'un pittoresque rare. Là, voyez-vous ces gros flâneurs indépendants qui dédaignent la mouche? Ces saumons-là se font trop prier, taquinons la truite. Elle n'est pas si fière, la truite aventurière et vive en tous ses jeux. Thank you.
de la truite fameuse et tant qu'on en veut. Allons donc plus haut, ça sera peut-être meilleur encore. Au pied des chutes, on voit souvent des saumons qui sautent. La technique du geste. Changeons de mouche. Ah, tenez, ces poissons-là sont trop bien dans l'eau. Encore quelques coups de canne avant de s'en aller. Ça y est. Par mesure humanitaire, on l'assomme pour l'empêcher de souffrir.
Les beaux jours sont courts, vraiment. Le saumon se pêche aussi d'une manière plus commerciale, je dirais, à la mer, au moyen de ce que l'on appelle des tentures. Ce sont de grands filets aux mailles compliquées, maintenus à la surface par des flotteurs. Voici une chaloupe, allons donc voir. Y a-t-il des prisonniers? Débats-toi, mon vieux, l'épuisette est solide. On l'introduit dans des trappes flottantes. Excellente manière de le conserver frais, soit pour la vente, soit pour des expériences scientifiques. Nous n'avons pas encore vu percer. Oh, ces marines gaspésiennes, les plus belles du monde, toujours les mêmes et pourtant jamais semblables, mais si séduisantes lorsque ces flots dorlotent de gracieuses voiles dans la gaze d'un brouillard ou le plomb d'un midi. Pays haut, avec montagnes hautes, pleines de forêts et de bois, disait bien Jacques Cartier. Notre premier coup d'œil est pour l'île Bonaventure. Enfin, le fameux rocher de Percé. Nous allons grimper sur le pic de l'Aurore, droit devant nous. La vue doit y être unique. Pour décrire ce site, il faut dire avec le frère Bernard que Percé est le coin le plus merveilleusement beau d'une région enchanteresse. De ce pays qui va de la Brèche à Manon et du Cap d'Espoir à Coin du Banc, mers et montagnes, rocs, forêts, lumière et ombre s'entendent pour faire une couronne de paysages ravissants qui ceint le front de la Gaspésie et dont Percé, placé au centre, constitue le pur joyau. Les lourds goélands, si voraces qu'ils mangent au point de ne plus pouvoir voler quelquefois,
s'abattent par nuées sur la grève, à l'heure précise où les pêcheurs font le tranchage de la morue pour en bouffer les déchets. La suprême note d'originalité du rivage persésien est ce rocher qui s'avance en travers du mont Joly à 600 pieds de la côte. D'après la description qu'on en fait, le rocher Persé est un navire multicolore ayant 1500 pieds de longueur, troué d'une arche à l'arrière et dont l'étrave mesure 288 pieds de hauteur et qui renferme 4 millions de fossiles. Pour constituer l'atmosphère du tableau, donnez à la mer toutes les teintes, depuis le vert olive et le pourpre, jusqu'au violet foncé, en passant par la gamme des bleus. Peignez encore de couleurs variées la falaise, le rocher avec l'obélisque qui lui sert de gouvernail, et sur l'ensemble, faites sourire ou s'attrister un ciel méditerranéen. Laissons le rocher Persé à l'arrière et mettons le cap sur l'île Bonaventure qui flotte à une couple de milles au large. Nous doublons la pointe de l'île et c'est là que nous apercevons des milliers et des milliers d'oiseaux nichés en rang serrés sur les saillies d'une paroi de 260 pieds de hauteur. Margots, foudbassants, goélands, cormorants, mouettes et guillemots, le pigeon de mer, se voisinent tous, bien sûr d'être à l'abri de la persécution. Nous allons débarquer pour traverser l'île à pied. Voilà un joli encadrement naturel de sapins pour un paysage de Persé. Et c'est ainsi qu'en plein été, on dirait parfois qu'il neige. Les margots arrivent au début d'avril et repartent à la fin de novembre. Remarquez qu'il ne couve qu'un œuf à la fois. Une mère avec son petit de quelques jours.
là, dans quelques semaines, il aura poussé un beau duvet. Une prise de bec en règle, ah, c'est Péronnelle de Margot. Larguons la voile pour une promenade sur l'eau. Allons écouter la chanson de la marée, à l'heure où le soleil couchant filtre à travers les coulées des montagnes. Le voyage nous arrache à ce séjour vraiment édénique pour nous conduire au Cap d'Espoir, à mi-chemin entre Percé et Grande Rivière. Nous allons nous arrêter un peu à Val d'Espoir, situé à quelques milles dans les terres. Cette paroisse fut fondée il y a plus de 15 ans par l'abbé Poirier, alors curé du Cap. Depuis 1932, l'année de la construction de l'église, cette colonie a augmenté de 50 à 200 familles. Une belle maison et une belle grange, fruit de l'énergie intelligente et laborieuse. Dans les rangs reculés, cependant, certains colons plus nouveaux ou peut-être moins vaillants conservent encore des souches. En 1930, un groupe de cisterciens venus de Hollande s'installait à Val d'Espoir en pleine forêt. Ils y construisirent ce grand monastère. Après avoir mis en culture quelques centaines d'acres de bonnes terres, cependant, diverses conjectures les forcèrent à quitter ce beau domaine en 1936. Ils viennent d'y être remplacés en 1938 par les clercs de Saint-Viateur, qui, avec l'aide du gouvernement provincial, y fonde une école moyenne d'agriculture. Bucolique
ne laisse pas d'être ravissant. Mais il faut visiter Rameau, situé en arrière de Sainte-Thérèse de Gaspé. Les paroissiens entendent actuellement la messe dominicale dans l'école en attendant leur nouvelle église. Le curé de Sainte-Thérèse, qui dessert le canton, a justement organisé une corvée pour en déblayer le site. Ce qui assure le succès de ces grandes entreprises, c'est la générosité avec laquelle chacun prête son concours sans se faire prier. Monsieur le curé Gendron préside lui-même aux opérations. En ce siècle de l'industrie, il ne faut pas manquer ce spectacle qui nous reporte au bon vieux temps, alors que nos aïeux devaient tout faire avec la hache et la scie. Le curé de Jean Rivard devait faire comme ça. Un beau jardin est le premier luxe qu'un colon peut se donner. Luxe pour l'œil et l'odorat quand les jardinages en fleurs embaument la maison. Luxe aussi pour le palais quand la table se charge de cette nourriture saine et appétissante. La laitue, le carré de tomates, des fèves, des gourganes, des choux de Siam et des choux et des patates. Cette région est très propice à la culture des fraises. Tenez, voici le fameux pois téléphone qui constitue une florissante spécialité de la région du Cap d'Espoir. De petits sapins secs sont tout ce qu'il faut pour servir de tuteur.
Les gousses vertes sont emballées dans des paniers de 35 livres et expédiées sur les marchés canadiens par l'entremise d'une coopérative qui en remplit une trentaine de wagons de chemin de fer par année. La rhubarbe a ses secrets. D'un pas tranquille et lent, le bœuf fait sa promenade du dimanche pour le plaisir de la famille. En 1937, le ministère de la colonisation organisait un concours d'embellissement des demeures. Admirez-en les résultats. Repartons, emportant de rameaux, un souvenir parfumé de cette bonne senteur des champs. Nous passons tout droit. Nous y reviendrons plus tard pour y pêcher la morue. Roulons maintenant jusqu'à Chandler, ou Grand Abbas, comme l'on disait autrefois. Presque tout l'intérêt de Chandler est dans ses moulins à papier qui font vivre la majeure partie de sa population. Nonobstant son nom anglophone, Chandler a une grève bien gaspésienne. Ouvert à la colonisation depuis 1935, le canton de Pellegrin, à 17 000 de là, se développe beaucoup depuis un an. Bien que M. le curé soit occupé à la construction de son église, il prend le temps de faire son heure de catéchisme tous les jours. Vous a-t-on grondé ce matin? Sans faire la multiplication des pains, Monsieur le curé, parmi les siens, distribue les bons conseils. Pendant que la plus noble conquête de l'homme boulotte de son côté. Parmi ces braves cœurs, on a toujours la chance de trouver des menuisiers, maçons,
charpentier qui assure le succès des grandes corvées de construction. C'est ainsi que pour 3 000 $, on bâtit un temple de 15 000. Ses enfants se vanteront d'avoir travaillé à la construction de l'église. Trois sévères personnages qui s'en viennent faire l'inspection des travaux, sans doute. Deux copains et une déclaration. En voilà une lip. Serait-il question de battre les poules pour les faire pondre? Le long de la route de Pellegrin, les champs en culture sont encore assez restreints, mais l'ardeur des colons est à la hauteur de la tâche. En attendant les pâturages permanents, la vache pacage dans les framboisiers. Impossible de voir de près l'œuvre admirable des colons sans y trouver le gage le plus précieux de la prospérité de notre pays, en même temps que le symbole d'une croyance très chrétienne dans le bonheur promis aux gens du sol, simples, courageux, laborieux, qui jettent à l'ombre d'un clocher une semence aussi bien morale que matérielle. Car la jeunesse héritera des vertus ancestrales, de même qu'elle récoltera dans les terres aujourd'hui défrichées. Le diorama gaspésien possède les qualités artistiques des chefs-d'œuvre de la peinture. Il vous montre l'unité dans la variété. Mais aucune galerie au monde n'égalera jamais en beauté les routes de la Gaspésie. Les belles fermes sont surtout situées sur le littoral. Ce monsieur profite de la marée basse
pour faire la cueillette des coques. Déchaussons-nous et allons voir. La coque est une petite huître que l'on rencontre principalement dans les barachois. On la trouve enfoncée dans le sable à quelques pouces de la surface. Là où il y a un trou, il y a une coque. La coque est comestible. Elle est même appétissante, m'a-t-on dit. Mais on l'utilise surtout pour appâter la morue. D'être un endroit touristique extrêmement attrayant, la Gaspésie a la réputation bien établie et confirmée par les savants d'être un refuge assuré contre la fièvre des foins. Or, la plupart du temps, cette maladie tenace est causée par l'herbe à poux. Autant pour préserver le pays de l'envahissement de cette mauvaise herbe que pour faire disparaître les très rares colonies qu'on y a découvertes, le ministère de l'Agriculture de la province a pris l'initiative d'y déléguer M. Elzéar Campagna de l'École supérieure d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière afin d'y organiser parmi les enfants des écoles et avec le concours des institutrices une campagne d'éducation contre la pénétration de cette plante nuisible. Il y a deux sortes d'herbes à poux, la grande et la petite. À droite sur le tableau, la petite, à gauche, la grande. Voici les lobes des fleurs où se développent les millions de pollens qui se répandent dans l'air, affectent les voies respiratoires et donnent la fièvre. Le travail de ces enfants vous donne le gage que la Gaspésie est pour toujours un oasis pour les malades de la fièvre des foins. On estime que le nombre de personnes atteintes de la fièvre des foins en Amérique du Nord est de 2 millions. En Gaspésie, vous pouvez effacer le chiffre 2 et laisser les zéros. Port Daniel, ville agricole et industrielle, important centre de pêcherie, l'un des ports les plus fréquentés de la baie des Chaleurs. La nature y est grandiose et tourmentée. Depuis une cinquantaine d'années, les savants les plus célèbres du monde entier viennent y faire des études paléontologiques. Tous ceux qui font leur tour de Gaspésie ne devraient pas manquer d'aller examiner les millions de fossiles incrustés dans le roc de la Grève, pas plus loin qu'à 30 pas du quai. Les flots inlassables les lavent depuis des centaines de milliers de siècles. Les géologues oseront vous dire que ces squelettes préhistoriques gisent là depuis 20 millions d'années et vous parleront de Crotalocrinus, de Catenulatus, je vous fais grâce du reste. Les profanes appellent ce spécimen simplement des grains de chapelet. À Port Daniel également, la pêche au vomard se pratique sur une grande échelle. On capture le vomard au moyen de trappes en latte, comme celle que vous apercevez. L'appât, c'est encore ce bon hareng que l'on suspend au milieu de la boîte. Les deux bouts de la trappe sont fermés par un filet disposé en entonnoir avec une ouverture au centre. Le vomard qui vient chercher l'aventure à l'intérieur ne retrouve plus les portes de sortie.
fin de l'après-midi, notre pêcheur va mouiller ses trappes dans quelques brasses d'eau. La trappe est entraînée au fond par une pierre qu'on a eu soin d'y déposer. La flotte va servir de point de repère. Pour celui qui regarde faire, c'est toujours facile comme de raison. Que Dieu travaille maintenant. Le lendemain, il va visiter ses trappes. Il a tôt fait de retrouver ses flottes. Les trappes sont de nouveau amorcées et remises à l'eau. Parfois, lorsque plusieurs homards se trouvent emprisonnés ensemble, les malheureux se livrent alors une lutte homérique, je ne puis dire homarique, à violents coups de pince. Il ne faut pas moins que la sortie de l'eau et le fond de la chaloupe pour leur changer les idées. N'ayez pas peur, ces pirates-là ne se feront pas pincer. Les savoureux crustacés, en attendant l'ultime plongeon dans l'eau bouillante, gardent jusqu'au bout leur mine sombre et agressive. L'œuvre de la colonisation canadienne est tellement admirable et intéressante, même en voyage, que nous ne résistons pas à l'agrément d'un petit détour vers Saint-Elzéar, cette belle paroisse neuve située à quelques milles en arrière de Bonaventure. Ouverte en 1924, elle devait être colonisée par la population de Bonaventure même, mais ce n'est que vers 1930 qu'un fort mouvement colonisateur la fit ce qu'elle est aujourd'hui. Le presbytère et l'église actuelle sont de fort jolies constructions. Je dis bien l'église actuelle, car la première église, commencée en 1932, terminée en 1935, fut incendiée l'année suivante. La nouvelle église fut entièrement édifiée par corvée. Elle ne coûte que 2 000 $ environ, c'est-à-dire le coût des vitres, du clou, de la peinture et du reste qu'on ne pouvait se procurer sur place. Monsieur le curé en fut l'architecte, les paroissiens, les ouvriers constructeurs. Ça me paraît être une petite merveille d'ingéniosité de part et d'autre et à tout compter. Avec 400 dollars seulement, on a bâti le beau presbytère que voilà. Voici l'architecte
dont nous parlions tantôt, M. le curé Edmond Plourde, avec son inséparable. Puis nous voyons l'école, le magasin général. De l'ancienne chapelle désaffectée, on a fait une salle publique qui en vaut bien d'autres. Allons jeter un coup d'œil dans les environs. Dans ce clos de pacage, le progrès des cultures se révèle au nombre et à la variété des animaux qui y paissent. C'est le temps des foins, quoi. Tout le monde y met la main. Être si jeune et avoir autant de soucis à la conduite des affaires. Si vous pensez qu'on s'ennuie par ici, les connaisseurs ne manqueront pas d'apprécier le clos d'avoine et le champ de blé. Oh, un spectacle d'il y a 50 ans, le battage au fléau. Comme autrefois aussi, on va passer le grain au vent. Fi donc les jeunes, ça ne s'est pas vanné. Ce grain est encore sale, passe-moi ça. Si vous ne savez pas comment on fait, ouvrez les yeux. 80 ans de pratique. Là, c'est net au moins. La petite industrie est encouragée en Pays Neuf. Cette tannerie rudimentaire fut construite grâce à un octroi du ministère de la colonisation. Il sort les peaux du ruisseau où elle trempait et les racle. Une lieue du village, il y a une digue qui emmagasine un nombre insoupçonné de kilowattheures. Avec des rives aussi escarpées, aucun danger pour l'inondation, n'est-ce pas? La terre n'est pas encore toute défrichée, comme vous voyez. Aussi, les colons ne cessent de faire du bois, d'essarter et de sombrer, afin d'agrandir les emblavures d'année en année. Thank you.
J'ai de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de roux. La charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche de houx. C'est par leurs soins qu'on voit la plaine verte l'hiver, jaune l'été. Ils gagnent dans une semaine plus d'argent qu'ils n'en ont coûté. La rivière Bonaventure est si jolie que les touristes n'hésitent pas à y installer leur campement. À New Richmond, centre de villégiature, de commerce et de culture, nous voudrions séjourner quelque temps car le panorama de la baie y est vraiment captivant et la vie y semble bonne. Mais il y a tant à voir le long de la Méditerranée canadienne que nous allons nous contenter de jeter un coup d'œil en rond. Nous traversons plus loin la rivière Cascapédia sur un pont fameux. Puis, laissant la route en bordure de mer, nous montons en forêt le long de la rivière, visiter l'un de ces clubs de millionnaires nombreux dans les parages de la baie des Chaleurs. De retour au grand chemin, nous atteignons Maria qui occupe un site merveilleux et où se trouve une réserve de Micmac. Les sauvages s'y adonnent avec succès à la vannerie. C'est gentil. Par les visages, on devine que les sangs sont mêlés. Un vrai micmac de race, quoi. Pendant que les hommes font de très bons paniers avec le frêne du pays, les femmes tressent de très jolies corbeilles parfumées avec le foin d'odeur cueilli au bord des rivières.
Carleton réunit tous les avantages d'une station estivale en vogue. Plage de sable fin, montagne giboyeuse, etc. On ne verra plus pour quelque temps ce merveilleux horizon qui divise le firmament de son miroir, car la route s'éloigne de la falaise pour nous conduire à Saint-Omer, puis à la mission Saint-Louis, encore plus enfoncée dans les terres. La vieille partie de la mission Saint-Louis, ouverte il y a quelque 75 ans. Et voici la partie récemment défrichée, où les champs sont aussi pleins de promesses que de souches. C'est vrai que les octrois du gouvernement provincial font tort au vieux camp. Voyez les belles maisons qu'on se construit. La prochaine paroisse de colonisation que nous allons visiter est Saint-Jean-de-Brébeuf. Pour cela, revenons sur la route nationale et montons à Saint-Jean-de-Brébeuf en passant par Nouvelle. Quand les ponts sont enlevés, on passe les cours d'eau à gué, les autos comme les bêtes. Que voulez-vous, le petit pont vient d'être défait précisément parce qu'on va en construire un autre. Le ministère de la colonisation va faire également de beaux chemins avec sa grosse racle mécanique. Et la route sera de belle venue. Car des terrassiers armés de perforatrices et d'explosifs font du beau travail plus loin au passage de la gorge. Commencé en 1930, le défrichement se poursuit assez vivement. Il y a aujourd'hui une centaine de familles à Saint-Jean-de-Brébeuf. Le miracle est que toute cette paroisse s'est organisée sans faire de dettes. Nous jetons un regard étonné sur la propriété d'un marchand, très à l'aise, à ce qu'on peut en juger. Maison coquette, turbine atmosphérique, courette gazonnée, rien ne manque. C'est certainement la plus belle maison de Saint-Jean-de-Brébeuf. La dernière colonie que nous allons voir est l'Alverne, ouverte depuis 1930 également par les pères capucins venus de Restigouche. Un prêtre curé est venu remplacer les Capucins en 1933. Voici son presbytère. Ici, c'est la salle paroissiale. La construction de l'église n'est pas encore terminée. Ici, à Matapédia, nous avons atteint le fond de la baie des Chaleurs. Et maintenant, pour tenir notre promesse, nous allons vous ramener à Grande Rivière pour voir la grande pêche à la morue. Grande Rivière est au sud-est de la péninsule, face à l'océan.
C'est ici qu'il fait bon surprendre et contempler dans son décor toujours semblable, mais toujours captivant, la vie primitive du pêcheur. Là, ce qu'on s'en dit des choses, ce qu'on s'en compte des histoires. Ici, les sages de la nation devisent de tout et mettent des oracles. On dirait que le sort du monde est suspendu à leurs lèvres. Assez jasé. C'est le temps de monter à bord les filets qui séchaient sur le rivage. Là, on les démêle, on appareille, quoi. Les hameçons, avec leurs cordes d'attache, attendent sur l'escabeau. Ces gros hameçons sont appelés crocs par les hommes du métier. Vous avez la preuve que l'esprit gaulois, prime sautier et gouailleur du Gaspésien, s'exerce à tout propos et à tout âge. Avant que la marée se retire, on sort de la rivière. Une fois passé le haut fond, on ancre ou on accoste au grand quai en attendant l'heure de la partance, entre 3 et 4 heures de l'après-midi. On profite de ce répit pour souper. Un poêle de fortune qui n'a certainement pas coûté une fortune. On ne s'en sert d'ailleurs que pour le thé et la fricassée, car le repas est très frugal. Une à une, les barques gagnent le grand large et bientôt, toute la flottille se trouve éparpillée à une trentaine de milles de la côte. Nous nous embarquerons nous-mêmes avec ceux qui partent à la fin du jour. Nous jouirons en mer du spectacle d'un splendide couchant, suivi d'une scène de nuit des plus intéressantes. À la brunante, on se prépare à prendre le hareng, car c'est ce poisson qui va servir d'appât ou de boîte. Jetez vos filets à droite, avait dit notre Seigneur aux pêcheurs de la Galilée. Nos Gaspésiens font de même quand ils veulent faire une bonne pêche miraculeuse. Les raies une fois tendues, les bateaux se laissent aller à la dérive des heures durant, cependant que les filets s'emplissent. Durant la nuit, d'heure en heure, on lève les filets. Et lorsque le hareng a suffisamment donné, comme on dit là-bas, on commence à démailler. Le poisson est coupé en trois ou quatre parties, selon sa grosseur. L'opération finie, la boîte est accrochée aux hameçons de la ligne dormante où viendra mordre la morue. Pauvre morue, mais heureux morutier, car sous le firmament, au clair de lune ou dans l'obscurité profonde, que le vent soit tendre ou sinistre, que la vague musarde ou moutonne, rien n'interrompt la berceuse des nuits. Lorsqu'on jette les derniers crocs, le jour déjà commence à poindre. On retourne alors à la tête de la ligne où se trouvent les premiers hameçons mis à l'eau.
Et lorsque le soleil paraît, la cale commence à s'emplir d'un agonisant butin. Si vous sentez naître en vous une passion de vieux pêcheur, vous allez revoir avec plaisir toute cette scène, mais deux jours cette fois. On renouvelle la provision de boîtes. Les filets au nombre de 10 à 15 avec lesquels on capture le hareng ont 150 pieds de longueur par 30 de hauteur et sont maintenus en position verticale par des pierres ou des plombs et des bouées flottantes. Au sortir de l'eau, les filets semblent toujours pesants, car à vrai dire, les filets ne remuent pas, c'est la barque que l'on hale vers eux. En se baladant au sein de l'onde amère, le pauvre hareng fit la rencontre d'un filet. Il voulut quand même poursuivre sa promenade, et c'est alors que se passant la tête dans une maille, il se pendit par les ouïes. Pendant ce temps-là, la barque se déplace vers les mouvets ou bandes morues. Et lorsqu'on est rendu à l'endroit propice, on appâte de nouveau la ligne. À tous les 1000 crocs, on attache un baril qui sert de bouée de repère. Les pêcheurs de grande rivière amorcent de 4 à 10 000 hameçons. C'est vous dire que la ligne peut mesurer 8 000 de longueur. Cependant, ceux qui préfèrent rentrer tous les jours afin de livrer un produit frais et non pas ramolli, selon l'expression courante, ceux-là n'ont pas le temps d'amorcer plus de 5000 crocs. Pour que la ligne ne se mêle pas dans l'eau, on laisse à l'embarcation le temps de dériver suffisamment pour qu'elle soit tendue au fur et à mesure qu'on la lâche. Comme il se doit, les goélands sont toujours là pour que rien ne se perde. Les lignes sont tendues à une profondeur de 30 brasses, soit 150 pieds environ. Il faut vous dire en passant que les pêcheurs vivent dans la terreur du chien de mer. Ce chien de mer est un poisson très destructeur qui, non content de chasser et de dévorer la morue, brise les lignes. Il n'y a pas d'heure fixe pour la mangeaille. On se nourrit quand on peut, entre deux tirages. Par bonheur, le fameux chiard blanc se prépare vite. Ah, cette morue, le poisson gaspésien par excellence, celui qui a fait et surfait la réputation de la péninsule et de ses gens, écrit Antoine Bernard. La bonne morue bourgeoise et gloutonne qui mord à tous les hameçons. Thank you.
Hissons la voile au haut de la mâture, comme dit la chanson, c'est le retour. Qui a dit que les pêcheurs avaient belle prestance, le teint bronzé, le nez taillé en récif avec deux petits yeux sondeurs de mer? Quant au métier, il est assurément rude et dur. Mais, comme le dit un vieil adage, ça n'empêche pas les vieux loups de mer de connaître une verte vieillesse. Quand on veut devenir pêcheur, on commence par démêler les lignes, mon gars. Nous approchons du rivage, c'est le temps d'amener la voile. Les barques entrent en rade avec le seul pouvoir du moteur à gasoline. Elles arrivent, chargées d'une quinzaine de mille livres de morue par un glorieux après-midi. Aussitôt la barque accostée, le déchargement commence. Pas trop de deux pour les pièces de plus de 50 livres. Tout de suite après, c'est le tranchage. Sur l'établi, dont le modèle n'a pas changé depuis 200 ans, la morue est éventrée puis décapitée, selon la manière consacrée par le temps. Les trancheurs portent des gants pour que les mains ne glissent pas. Les foies sont jetées dans une cuve, les déchets dans une autre. Ne parlons pas du parfum pénétrant qui se dégage. Après tout, autant en emporte le vent du large. La morue subit un premier lavage, puis elle est transportée sur un brancard à l'entrepôt pour y être pesée. La balance a l'âge des traditions. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la seule que le salin corrosif ne dérange pas. Après la pesée, le poisson est vendu tel quel à l'armateur ou à la coopérative. La morue est ensuite débarrassée de son squelette. Ces trancheurs sont des experts consommés. Le tranchage terminé, la morue est salée puis exposée au soleil sur ce qu'on appelle aujourd'hui les vigneaux. C'est la période du séchage. Là, on la retourne,
plusieurs fois pendant quelques 6 semaines. Puis on l'empile dans l'entrepôt pour la faire ressuer. On la reporte ensuite sur un vigneau. Voilà pour la morue séchée. Mais il y a aussi la morue verte. La morue verte, produit de choix, la plus grosse, la plus belle, est mise à tremper dans une forte saumure pendant 21 jours pour être expédiée ensuite à l'étranger. Enfin, une quantité relativement petite de morue est vendue en filet frais. Nous nous devons de visiter un instant la station expérimentale de pêche du gouvernement fédéral, où le docteur Arthur Labrie, avec ses deux assistants, étudie les problèmes des pêcheries et font des expériences sur l'utilisation des sous-produits. Ici se termine, chers amis, non seulement notre excursion à Grande-Rivière, mais encore notre voyage autour de la Gaspésie. Vous rapporterez sûrement chez vous, en même temps que des pans de paysages arrachés à cette merveilleuse contrée, toute une moisson de clichés et de souvenirs inoubliables, et aussi une meilleure connaissance d'un coin de ce pays incommensurablement riche et beau, qu'est le royaume du Canada.